Yo tout le monde, c'est Squeezie, et écoutez, concernant ma vidéo d'avant-hier, je tenais à m'excuser si j'ai heurté un grand nombre d'entre vous avec le jeu japonais exhibitionniste. J'aurais dû dire, mais ça me semble évident, que je suis complètement contre les hommes qui font du mal aux femmes. Sachez que moi-même, j'ai des proches qui ont vécu ça, et que je me bats chaque jour sans en parler devant ma caméra, pour que le monde qui m'entoure soit un peu meilleur. Je m'excuse à nouveau et je vous propose de revenir au rire, parce qu'aujourd'hui, mesdames et messieurs, on joue à un jeu qui tombe plutôt bien, on va apprendre à esquiver les pervers dans Ride with Strangers. Les pervers comme cet homme. Vous êtes Elora, c'est donc cette femme, et on est en chemin pour faire une interview extrêmement importante pour notre travail. Donc on a pris notre voiture et d'un coup elle s'est mise à faire des bruits bizarres, puis elle est tombée en panne. Il y a aucune dépanneuse aux alentours pour nous récupérer, donc on doit faire du stop et monter dans les voitures d'inconnus en faisant très attention parce que ça reste des inconnus et du coup il faut toujours se méfier. Ne jamais parler à un inconnu. Ma maman me le disait, je le fais toujours. Ok, c'est parti. Alors tout d'abord on doit trouver une voiture pour nous emmener à notre travail. Have you seen her call? Attends, mais il annonce d'une fille qui est disparue déjà. Et à quel moment on est rassuré? Donc on va aller sur la route. Oh, il y a une voiture qui arrive, regardez. Il nous a vu? Il nous a pas vu. Il nous a pas vu, il nous a pas vu. Oh, il nous a pas vu. Attends mon gars, c'est un sketch, rien que choper une voiture, ça met 10 heures sans déconner. Oh, il a mis son clignotant. Oh, oh putain. Oh mon gars, je suis tellement heureux. Bonjour monsieur. Attendez, on va voir sa tête. What the fuck? Je veux pas rentrer dans cette voiture. Good evening child. Take a seat and let me give you a ride. Mais mon gars, mais il faut absolument pas rentrer dans la voiture de cet homme. Alors si ça se produit dans la vraie vie, vous dites non. Vous dites non, vous appelez la police, vous appelez le SWAT, vous appelez tout, y compris votre mère. Mais là on est obligé en fait, y a pas d'autre voiture, donc please sit. Non mais mec, il est mais c'est grillé à 1000 km que c'est un psychopathe. Bon c'est pas grave. Donc là on est dans sa voiture, il faut qu'on clique sur les panneaux comme ceci pour aller plus vite. Voilà, ni plus ni moins. On doit de temps en temps surveiller sa tête en appuyant sur Q. This is a dangerous place to be hitchhiking. What is a precious young thing such as yourself doing out there? Oh, je lui réponds, est-ce que ça te regarde? Juste tais-toi et conduis FDP. I will pray for you. Voilà, faut que je surveille des fois et le problème c'est que ça remplit la barre qui est tout en haut à gauche, vous voyez la barre avec le smiley, et quand cette barre là elle est à fond, et ben je peux plus le regarder et il me bute. Well, we have quite a ways ahead of us. Where is it you are traveling to? J'ai une réunion importante et je dois pas être en retard, je suis en train de m'enfuir de chez moi. Ok, on va dire cash, on a une réunion. Laisse-nous en paix. C'est quoi ce bruit? Il y a un mec dans le coffre. Ah, j'ai peur! En plus, son visage, il est dans l'ombre de fou! Je crois que je peux allumer la radio. Ah merde, elle marche pas, putain! You heretic! Pourquoi? 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 Ah, ok, j'ai pas dû assez le regarder et du coup, il m'a défoncé. I have the Lord to protect me. Ne tuez pas, monsieur! À la calvitie, s'il vous plaît! Oh. Ok, en fait je dois le regarder quand il me regarde, sinon il me bute. Là on peut ouvrir et partir comme ça au courant de la voiture. Voilà, il commençait à trop parler, moi j'avais peur. Voilà, donc on se retrouve sur le bord de la route à attendre un mec. On va pas retomber sur un psychopathe, c'est pas possible. Ah mais c'est peut-être le même, remarque, vu que c'est une démo. Attendez, on va voir. Good evening, child. Ah non. Il est de retour, il avait fait demi-tour dans l'ombre. Please. Arrête de faire ça avec ta main, j'aime pas du tout. Pff, ok, donc voilà dans la voiture. Donc du coup, la barre de smiley se remet à zéro. Oh, oh, heureusement que j'ai regardé. Oh, le vieux pervers, putain. En plus, il y a un vieux gars dans le... Arrête de... Mais je t'ai vu, bro. J'en peux plus, les gars. J'en peux plus. I would love to offer my home to you. En aucun cas, je veux être hébergé par toi, mon gars. Je réussirai à échapper à ce gars, hein. Non mais je vous le dis, hein. You heretic. Wow. Écoutez, nous allons y arriver. On va libérer le mec du coffre qui va nous protéger. C'est faux, on peut pas le faire malheureusement. Donc on va... Ah putain, j'aime pas quand je regarde et que je vois qu'il fait... Tu sais, c'est comme quand tu regardes une fille dans la vraie vie et que ton regard croise le sien. Tu paniques tout de suite quoi. Allez, allez. Le gars, il est pas rassurant du tout. Il va falloir qu'on jette bien. J'en peux plus de cette tête, j'ai envie de pleurer quand il a fait. Fuyons, fuyons, fuyons. Wouh! Voilà, il allait m'attaquer. Il avait le regard assistant de l'homme chelou. Attends, c'est pas mal comme jeu, ça met la pression de ouf par contre. Salut monsieur, écoutez, je viens de sauter la voiture d'un psychopathe. Good evening child. Oh non, il y a le mec qui crie. Là logiquement il va me regarder, voir si j'ai capté qu'il y a un gars qui crie dans le coffre. Non, je me trompe. Putain, j'ai regardé trop de films d'action mon gars. J'ai juste des tout petits regards, il doit me prendre pour un... Il paille, putain, il m'a fait peur. J'ai cru qu'il allait mettre un coup de poing. Salaud. Il y a eu un bruit de couteau. Faut que je me casse. Il y a un bruit de couteau mec. C'est quoi ça? Monsieur s'il vous plaît prenez moi. Je devinerai jamais ce qui m'est arrivé. Il y a un mec qui m'a pris en stop, c'était un psychopathe, j'ai sauté.
Et là, j'ai repris une voiture, c'était le même gars qui m'avait repris en fait. What are you doing? On va juste ouvrir ça. Merde, je me suis trompé de bouton, je voulais ouvrir la fenêtre, j'ai sauté. Parle, s'il te plaît, parle, parle, j'aime pas quand tu parles pas. Oh, vous avez vu, j'avais raison, putain. Oh putain, il vient de citer un truc de la Bible en fait. Et je lui ai répondu en mode gentil. Mec, on n'est jamais allé aussi loin là, on a répondu à une question qu'il avait jamais posée avant, on est bien. Je vais lui dire I am, voilà. Il faut que je fasse genre que je suis comme lui. Enfin, allez, range ce point, mec, range ce point. Tortured many little boys. What the fuck, ce qu'il vient de dire? Je saute! Je saute! Adieu, je prends le suivant! Mon gars, on arrive dans un tunnel! Oh non, on pourra plus sauter de la voiture par contre. Oh! On est baisé! On est baisé, ça va être le tunnel le plus long de notre vie! Là, il me ressort son histoire de. Il a fait un pacte avec Dieu pour purger les je sais pas quoi. On n'est jamais allé aussi loin là. C'est notre record. Mec, on est allé super loin, regardez la barre! Distraction d'appui totale. Allez, on accélère, vieux papu! Pardon, pardon, pardon! Ok, on est beau, on est beau, on est beau, on est beau. Ah, regardez, là, on va super vite, mec. Oh, j'en ai marre. C'était une distraction. Schlag dans la gueule. Tu kidnapperas plus personne, FDP. Bon, et voilà, les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer, comme d'habitude. Et puis, écoutez, c'est assez original comme jeu. C'est un mix entre une sorte de scénario à base de serial killer et Five Nights at Freddy's. On a malheureusement pas réussi à s'échapper, mais on est quand même allé loin. Putain, on a traversé le pont et tout. C'était pas mal. On peut être fiers de nous. Merci d'avoir regardé. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Peace.